Jésus de Nazareth. Où? Jésus est innocent. Barabbas. Barabbas. Ils veulent qu'on libère ce Barabbas? Oui. Que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné à mourir crucifié. J'en viens aux faits divers et au chapitre police et justice avec ce drame dans les Yvelines encore mal expliqué. 11 personnes visiblement terrorisées, dont des enfants, se sont blessées la nuit dernière en se jetant par la fenêtre d'un appartement. Mais qu'est-il arrivé dans cette résidence plutôt tranquille pour que 11 personnes se soient jetées par la fenêtre du deuxième étage? L'origine de ce drame reste très confuse et très mystérieuse. Selon les premières auditions, le père de famille se serait réveillé pour se porter au chevet de son enfant. Mais sa femme l'aurait alors pris pour le diable. Apeurée, elle le blesse et l'expulse de chez lui. Il disait « Au nom de Jésus, au nom de Jésus !» Il disait à sa femme « Ne l'écoute pas, il ne faut pas l'écouter, c'est satanique. » Parce qu'il y avait du monde. Et de peur de revoir le diable, toute la famille se serait alors jetée par la fenêtre. Mais ce soir, tous les protagonistes n'ont pas été entendus et de nombreuses questions demeurent, notamment quel a été l'élément déclencheur de ce mouvement de panique et enfin, ces personnes ont-elles sauté délibérément ou sous la contrainte? Il s'est posé, le vaisseau s'est posé. Que les enfants viennent à moi. Les enfants que Karenen vient d'appeler à lui vont maintenant à sa rencontre. Thank you.
Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Laisse-moi deviner. Culpabilité catholique. Avec toutes ces discussions religieuses, je trouvais important que quelqu'un représente l'autre camp. Les équipes d'ITélé partent tout l'été sur les routes de France pour vous faire vivre des aventures ensoleillées. Sunny. Young Trunks has defeated Mr. Satan. Wow, he let the kid win, didn't he? Bonjour, Monsieur Satan. Je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir fait tout ce chemin pour nous. Je parler. Suis devenu un dieu. Mais quel boulet celui-là! Okay. The most intriguing character, as we all know from our reading, was Satan. Oh mon Dieu! Oui. Non, pardon. Je... Elles sont sur Terre, mais elles vont où? Dans ton intérêt. Provocation. Fais même tomber les anges. Jouer avec les filles. Moi, j'ai une idée. On va se déguiser et on va faire peur aux filles. Et moi, regardez, je suis le diable. Sors de ce corps, maintenant. Ces grandes marques. Celle d'Alandos que je veux. My name is Dennis Campieto. I'm fighting out of Black Devil MMA for Cuff 09. Tu es le diable en personne. Alors c'est de la tentation, cher oncle Léon. From the thing. Nothing. Teddy, how do you know someone stepped on her? Guinea pigs aren't flat, Bob. They don't just look like this in the wild. C'est lui là-bas. En lanterne rouge, dans leur démon grand sport, les deux malfaisants compères, Satanas et Diabolo. Ou paresseux. Alors, carte enfer, vous devez crier gloire à Satan, et tant pis pour les conséquences. Gloire à Satan! Clara Scheller, gloire à Satan! Ok, je suis repérée. T'as devant toi la fille de Lucifer en chair et en os. Ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь. Не ешь. Мне нужно сначала это выложить. Насколько я знаю. Да, но среди них нет ни одного седьмого. Опа, подожди. Как это?
backpack in the this stuffed animal that... Ah, here it is. I summon the all-seeing eye to tear a hole into the sky. Reveal to me that which is hidden. Unveil to me what is forbidden. I summon the all-seeing eye to tear a hole into the sky. Reveal to me that which is hidden. Unveil to me what is forbidden. Du bon chocolat. Kinder Bueno, si bon qu'on en deviendra méchant. Il va bien? Pas du tout. C'est très bon. Le deuxième vous attire plutôt grâce à la voix maléfique qui résonne dans votre tête. Ça va tout changer. Le diable s'est très bien vu. Il y a l'expression de la neige en enfer. Il y aura Bob Denison qui représente les embouteilleurs de la région et Michael Lloyd et Warren Kate. Il arrive. Il éblouira les petits comme les grands. Préparez-vous. Par les créateurs de Nutella, découvrez le nouveau Nutella Biredi. Le bœuf. Le goût d'être ensemble. Satanic. Unveil the Satan in you. Many of you sounding off tonight about the new Sparky. He's no longer the ASU Sun Devil you used to know. He's getting a major makeover thanks to a team of artists over at Disney. So why the change? Saint-Marc lessive à la résine de pain, diaboliquement efficace. Le Diablo Club vous présente votre séance. Oh, oh, oh! Oui, vous gagnez! Que le diable m'entende! T'avais caché la tablette des démons sous le diablotin? Jolie tenue. Ensemble, on est plus fort, diablement plus fort. Commandez vite votre t-shirt sur tousdesdiables.be. Très gentil, oui, c'est... Je suis touché. Voilà, quand même, ça c'est ce que j'appelle du bon boulot. Allez, on est à fond là. Vous avez trouvé mes poignées d'amour. Oh.
index et auriculaire levé, le signe des cornes du diable. Tous vont faire ce geste, symbole du hard rock et du Hellfest. Un afflux de métalleux, bien accueilli par les riverains. Mais d'autres crient leur ras-le-bol. Il y avait 15 à 20% chaque année de groupes antichrétiens, voire satanistes, qui versaient quelquefois dans l'occultisme. Et insultent la religion chrétienne. Autre critique, les paroles des chansons, jugées elles aussi antichrétiennes. Surtout ne l'écoutez pas à l'envers, vous reviendrez pour de vrai. But don't listen to it backwards. You'll end up here for real. No, I swear to Lucifer, I'm good. I'd like to, first of all, I'd like to thank Satan. Thanks, Satan. Thanks, Satan. Presque 2 ans maintenant que les faits se seraient déroulés. Les 4 soldats des militaires du rang appartiennent tous au même régiment, le 152e régiment d'infanterie de Colmar. L'enquête risque d'être encore longue, les accusations sont extrêmement graves. Plusieurs militaires français auraient abusé sexuellement d'enfants qui vivaient à l'époque dans le camp de déplacés de Bangui, près de l'aéroport où l'armée française à l'époque tenait les checkpoints. Dans des accusations très graves, hein, viol contre nourriture sur des enfants qui pour certains n'étaient âgés que de 9 ans. Pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience. Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. We'll be right back.
juif, le créateur est bien plus que ça. Allah, Shiva, le Tao, Jéhovah. Vous pourriez me répondre. Boule. Il se peut que tu aies le pouvoir de me rédimer, d'effacer, comment dire, mes transgressions. Comment voulez-vous que je vous rédime? D'où il sort ce mot d'abord et pourquoi je vous croirais? Comment on dit porteur de lumière en latin? Lucifer. Oh Lucifer! Lucifer et ses partisans ont été bannis par Dieu du paradis pour l'éternité. Nous découvrons que lui aussi a des espoirs et des craintes. Il nous ressemble. Nous nous identifions aux démons. Maman m'a dit que tu étais là. Vous voulez dire que le diable serait du côté des gentils? Du moins, mérite-t-il notre compassion? Vous connaissez un Néphilim appelé le Rédempteur? Il ou elle a le pouvoir de pardonner n'importe quel péché, quelle que soit sa gravité. Jésus est notre sauveur. Alors c'est qui ce Jésus dont on fait tout un plat? Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le Fils de Dieu. Qui es-tu? Un ange déchu. La lumière qui t'éclaire. Ton père? Je veux savoir comment tu t'appelles. Et Lucifer? Je suis Lucifer en personne, le premier ange déchu, et tu es mon fils. Ah oui, j'allais oublier, je lui ai promis de lui donner de la glace. Et de la glace. Tout ce qu'on vit, c'est tellement excitant. Et depuis qu'on se sent ici comme à la maison, la Cité des Anges mérite enfin son nom. Font partie de notre patrimoine historique et culturel. Non, ce sont nos traditions, monsieur Mélenchon. Et 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades. Tout cela, ça ne participe pas exclusivement de la religion, ça participe de nos racines. Vous avez déjà regardé des racines. Vous avez déjà regardé des racines. L'Antéchrist était né. Le monde vivait un cauchemar. L'enfant au bonnet rouge et bleu arrivait trop tard. Je suis désolé, merci et joyeux Noël. Donc, voilà. Et voilà. Vous gâchez les fêtes de Noël de tout le monde. Il était comme ça, je vous assure. Town of Bethlehem with a real petting zoo. To think we almost passed all this up for a quiet Christmas Eve at home. And my aunt.
antique nativity scene. Look at her hands, Dad. Bum, bum, bum. Two lefties. All right, you guys stay out here. Come on, Dad, let's go! I'll have her home by midnight! 12:30 at the latest! Stop, you sickos! Chet, we found Nadine. And we only dropped her twice. You found her? Yes, she's right here. Oh, my God, that's... Oh, don't worry. Nadine's changed, too. Yeah, come out, Chet, please. She really misses you. Thanks for waiting, everyone. I now give you Christmas! Oh. You stole my girl. I want her back. Oh, no. Hand her over. Sorry, she's with me now. We'll see about that. Okay, easy, easy, guy. Whoa, manger danger. Come on, stop. No. Oh, God. Pick it up, Chet. 5-second roll. Celui-là, je me le réserve. On te le laisse. Patrick, back with you. Jesus was black. All those preachers saying Jesus was as white as Billy Graham. Nope. Sorry. You see this skin? He was darker than me. Middle Eastern. What? That's right. The Son of God looked like Chris Rock, not Lance Armstrong. Centurion, t'as pas sandales? Elle est nulle, ta vanne. Oui, c'est vrai qu'elle vaut pas un clou. T'occupe. Vous voulez que je vous dise? De toute façon, je la sentais pas cette journée. Aïe, 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 aïe. À demain, même heure, même chaîne. Et un nouveau miracle. Il ne veut pas de moi. Tu lui as déjà demandé. Quoi? Sa miséricorde? Tu penses sérieusement que je retournerai le voir? Jamais! Jésus-Christ, non mais est-ce que tu t'es vu? Tu avais tout. L'argent, la gloire, la vie éternelle. Et tu as tout gâché. Le succès t'est monté à la tête. Je sais, Peter. J'essaierai peut-être de repasser dans un ou deux millénaires, quand je serai plus mature. C'est déjà une belle preuve de maturité de dire ça ici. Pas très sympa de ta part d'être passé nous rendre visite, Jésus. Tu es sapé comme un SDF, mais tu as du talent, ça se voit tout de suite. Tu sais, j'avais oublié à quel point c'est agréable de parler avec les gens. C'est ton père qui passera te prendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a trouvé Jésus ou quoi? Ça, j'en doute. Tov, choqué. Il m'a taqué le carro à votre tiation? À ta tata, ça sera qu'à tiation. Saint Judas. Judas, all right. Il y a longtemps que votre frère tenait des propos insolites. Depuis qu'il avait rencontré son maître. Sa lumière. Elle a un nom, cette lumière? Jésus. Ça a l'air de tous les sorties sur con. Ça va? Putain, on dirait Jésus. Hé, hey, Jésus, il faut rester dans les clous. Bougez pas, c'est pas...
DJ Jesus is on the mount. Peace, children. Peace. Hey, you! I love this! It sounds great! Was actually at that club. At flirting. Armageddon? Yeah, flirting with the DJ. Your daughter. Mm-hmm. The Antichrist. Je sais que ça fait vraiment attarder, mais quand je me sens découragée, je me tourne vers Jésus et il vient à mon secours. Merci. Je t'en prie. Je m'en réjouis d'avance. Pétasse. A noi e ha professato la fede. Qu'est-ce qu'il raconte? En gros, nous ne sommes que des poussières. Maintenant, il parle du Christ, de son sang, de la culpabilité. Et encore du sang. Plus de blessures, plus de sang. Il reparle des blessures. According to Passover tradition, I will pardon one prisoner of your choosing. Will you pardon the murderer Barabbas, or will you pardon Jesus? Barabbas! Barabbas, you are pardoned. What? Wait. Wait, which one is the magic one? I'm the magic one! No, take back, chicken heads! T'es au paradis? Ouais, évidemment que j'y suis, parce que je suis hors norme. Jésus, je suis trop son pote. Au golf, du moins. On est potes. Il joue au golf super bien. Et c'est trop un beau gosse, c'est ouf! Au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ! Tu vas me laisser dormir! J'ai tout essayé. Même la méditation. Mais la main refuse de me laisser me détendre. T'as des super nichons. C'est possible. Arrête de jouer connard et tu pourras tripoter comme avant. J'ai pris assurance. J'ai déclaré le vol. J'ai touché assurance. J'ai caché fourgonnette. Tu attends 2 semaines, tu repeins et tu refais camion glace. C'est ce que Dieu fit. Il envoya son fils unique ici-bas sur terre, où il est mort pour nos péchés. Mais Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure ou est-ce qu'il s'est fait avoir, en quelque sorte? J'ai un copain, vous voyez, et ce copain, il appartient à un certain peuple élu d'Israël. Et il a découvert que ce peuple élu a tué votre Dieu. Mais il se sent coupable et c'est dur, parce que même si Jésus n'était pas vraiment le fils de Dieu, c'était quelqu'un de très gentil et il ne méritait pas ce qui lui arrive dans le film de Mel Gibson. J'en dors plus de la nuit, je veux dire, mon copain en dort plus de la nuit. Quoi encore? Je suis venue t'apporter ça. C'est un Jésus de poche. J'ai pensé que dans ces temps difficiles, il t'aiderait à trouver la lumière. Il fait lampe de poche. Oh. Mais bon, il paraît qu'en Magic Punk, on peut faire feu de tout bois et de solk. Ouais, déconne pas, reste où t'es. Prends exemple sur Bouddha. Lui au moins, il fait pas d'histoire. Papa, l'histoire de la passion est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Et bien que je préfère suivre les préceptes éclairés du Seigneur Bouddha, s'attaquer à Jésus rend les gens complètement dingues. Chaque fois que le chien aboie. Nous retournons à la salade du Christ de Mel Gibson au théâtre de la carotte chrétienne. Tim, nous allons devoir trouver 75 cents. Ne t'en fais pas, c'est sur le compte de Jésus. Sois cool pour une fois. Oh Flanders, tu es mon sauveur personnel. Oh, c'est gentil, mais je n'approuve pas. Salut, oh Flanders, plus puissant que Jésus. Ouh, les Jésus qui dansent. Look, this game is, or at least was, bigger than Jesus, okay? Oh, I'm Santa Claus! We're also Santa Claus! And I'm his friend Jesus! But you sacrificed yourself for mankind. Yeah, well. Hey, new guy, how did you get here? I just clicked a banner. Bon alors, t'habitues à être Jésus ou bien tu veux toujours qu'on change de rôle? Va des rétros, reste où tu es, Judas. Thank you.
de cet anonyme. Touffe, touffe. Ouche, ouche. Jésus, si tu m'entends, reviens. Ouche, ouche. Putain, on n'est pas en avance. Quel est ce prodige? C'est ma montre, quoi. Ce bracelet t'indique les heures sans le secours du soleil? Bah ouais, ça marche avec une pile, quoi. Par le grand architecte de l'univers, mon foie, où peut-on trouver? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, mais cet esprit religieux dans la République? Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme... Georgie, l'ancien affin de ton âme. Je sais. Laisse Solomy guider ton cœur. Oh, j'entends sa voix. Pont brisé, abrite-toi. Tree tradition, and lifts her high to the heavens to crown the tree with its finest jewel. Évidemment, c'est pas mal, New York. Ah oui. Girls ever the same after her lock's been picked by the brain. Oh, okay, cool. Thanks. Are you kidding me? I never let anybody borrow my girl. You should be kissing the ground I walk on. Well, I don't know. You think it's big enough? Is the Statue of Liberty big enough? Is J Lo's ass big enough? For me it is. I gotta leave you alone. Holding down the spot and I'm good. Ripping the girls on the block, and I'm good.
Obviously not. 1776, the birth of our great nation. Rich.com, help you crack this. Vous savez par où c'est la statue de la Liberté? You know how to get to the Statue of Liberty from here? La Statue de la Liberté est un symbole Illuminati. Et quand vous découvrirez ce qu'elle signifie, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Vous nous en dites plus sur le symbolisme de la statue? Oui. Quand on regarde sa couronne, on voit sept cornes qui sortent de sa tête. C'est le symbole du soleil qui représente la connaissance. Mais la connaissance est une bonne chose. C'est une bonne chose pour eux. La statue ne représente pas l'Amérique ni la liberté. Elle représente Lucifer, Satan. Les Illuminati s'identifient à Lucifer et elle, c'est leur idole. Elle voue ce pays à Satan et montre que ce sont eux qui nous gouvernent. Lucifer signifie littéralement porteur de lumière. La statue tient une torche qui représente la lumière et la connaissance. Mais tout le monde la voit comme un symbole de paix et de liberté. Je sais que c'est difficile à avaler. Churches were destroyed, monasteries were destroyed, churches were defaced. For example, Notre Dame Cathedral, which is noted throughout the world for the beauty of its architecture, which is Masonic, by the way, was defaced. A half-naked prostitute was enthroned on the altar as the goddess of reason, and a crown was placed on her head and a burning torch was placed in her hand. This, my friends, is the order of the origin of the Statue of Liberty. She is not the goddess of liberty. She is the goddess of reason, as opposed to religion, because everybody knows that no reasonable person would believe in God. No reasonable person would believe in Jesus Christ rising from the dead. Now, would they? And so when you see Lady Liberty in New York Harbor, realizing that the light that she is raising is the light of Lucifer, not the light of liberty, and if you want further proof of this, let me point out two things. Number one, the Statue of Liberty was created by a Freemason in France, designed and built by a Freemason in France as a gift to the Freemasons of America. And not only that, if you look at the tablet that she holds in her hand, you know what's engraved on that tablet? Just four characters, 1776, the year the Illuminati was formed. Not the year America was formed.